La légende de l'équipe de France, Zinedine Zidane serait prêt à accepter de venir à l'OM, club de sa ville natale, si ce dernier venait à être vendu à l'Arabie Saoudite. Hier soir, l'OM a annoncé la signature de Gennaro Gattuso pour remplacer Marcelino qui a quitté le navire la semaine passée. Ce matin, Mundo Deportivo a annoncé que Pablo Longoria avait tenté de faire venir Zinedine Zidane. Une proposition gentiment refusée par la légende de l'équipe de France. Cependant, l'ancien du Real Madrid ne serait pas fermé à une venue dans le club olympien. Selon les informations de France Bleu Provence ce jeudi. Il y a quelques semaines, Zinedine Zidane aurait donné son accord à l'Arabie Saoudite pour venir à Marseille en cas de rachat de l'OM par le pays du Golfe. Il serait nommé manager général du club olympien. Une information à prendre avec des pincettes car l'OM est bien loin d'être vendu par Frank McCourt qui attendrait de grosses sommes pour céder le club selon l'équipe. Lancé dans un immense projet d'investissement dans le football, aurait ciblé l'OM pour en faire le Newcastle de la France et si Zidane dit oui à l'OM, c'est seulement car le projet est très ambitieux. Il a l'assurance de l'Arabie Saoudite qui valide sa demande d'une enveloppe de 300 millions d'euros pour recruter. A précisé France Bleu Provence.